Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire des groupements de 10. Alors, ce qui est important que tu te rappelles, c'est que des groupements de 10, c'est que tu places des objets ensemble. Lorsque tu en as 10, ça te fait un groupement. Alors, chaque fois que j'ai 10 objets, ça me fait un groupement de 10. Et ensuite, ça va m'aider à calculer rapidement mon nombre d'objets en faisant des bonds de 10. Alors, ici, j'ai des petits cubes que je vais placer en groupement de 10. Alors, je vais commencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais regarder avec ce qui me reste si je suis capable de faire un autre groupement de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors ici, j'ai fait un autre groupement de 10. Je suis donc capable de compter en faisant des bonds de 10 et donner mon nombre total. Alors, ça fait 10, 20. Alors, je sais que ici, j'ai 20 jetons en faisant des groupements de 10. Attention! Je te montre ce qu'il arrive lorsque j'ai certains petits cubes que je ne peux pas mettre dans un groupement de 10. Alors ici, j'ai encore une fois des petits cubes à placer en groupement de 10. Alors, on va trouver ensemble combien il y en a. Alors, 1, 2, donc je vais en faire un dégroupement de 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors ici, j'en ai 10, j'arrête. Je vais voir ce qui me reste et je vais voir si je suis capable de faire un groupement de 10. 1, 2. Je ne suis pas capable ici de faire un groupement de 10. Par contre, je peux quand même trouver mon nombre total. Je sais qu'ici, j'en ai 10, 11, 12. Alors, rapidement, grâce à mon groupement de 10, je suis capable de trouver mon nombre total en ajoutant mes deux petits cubes qui sont restés sans groupement, qui sont restés seuls. Alors, en tout, nous avons donc 10, 11, 12 cubes ici. Je vais te montrer maintenant comment faire lorsque tu as ce genre de travail-là dans un cahier d'exercice. Alors ici, j'ai justement des petits cubes qui sont dessinés. On te demande de trouver le nombre total de cubes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais compter 10 petits jetons ici, 10 cubes, 10 carrés, et je vais faire un paquet de 10. Je vais les regrouper en faisant 10 objets. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aime bien ma technique de barrer. Ça, c'est une bonne stratégie. Alors, barrer l'objet que j'ai compté. Comme ça, je sais tous mes objets à mettre dans mon groupement de 10. Je sais ceux qui vont dans mon premier groupement. OK? Alors, je vais regarder. J'en ai encore ici. Je vais voir si je peux faire un autre groupement de 10. Alors, encore une fois, je vais les barrer quand je vais les avoir comptés pour m'aider ensuite à faire mon groupement de 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sais donc que je dois prendre mes 10 carrés ici et faire un autre groupement de 10. Rapidement, je peux faire des bonds de 10 pour trouver mon nombre total. 10, 20. Alors, 10, 20. En tout, j'ai donc 20 objet sur ma feuille. Alors attention, parfois, il peut arriver un peu comme tantôt avec ma manipulation, je peux en avoir qui ne peuvent pas aller dans un groupement de 10. Alors c'est à toi de bien prendre le temps de compter lorsque tu as un groupement de 10. Et bien sûr, la stratégie de les barrer est très utile lorsque tu veux bien faire tes groupements. Alors j'espère que cela t'aidera. N'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.